Eh bien salut tout le monde, c'est Varonex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire une intro? Donc c'est très simple, vous allez juste aller cliquer Pentoid. Là vous avez plusieurs intros, vous choisissez n'importe laquelle. Hein. Là, par exemple il y en a d'autres. Moi je vais prendre celle-là mais vous pouvez aller partout, hein. Il y en a d'autres. Là, c'est un abonné qui m'a demandé de faire cette vidéo-là. Voilà, ici il y en a d'autres par exemple. Moi-même de faire des intros Minecraft. Donc on va prendre celle-là. Penguin Chromage. Oh non, c'est pas grave. Je me suis trompé. Donc là, maintenant on va prendre celle-là. Hein. Open in Clip Maker. Open in Clip Maker. Vous cliquez dessus. Là vous arrivez sur le logiciel de l'intro. Faut que ça charge par contre. Hein. Sinon. Peut-être parce que j'ai beaucoup de pages ouvertes moi. Donc je vous redis quand ça s'est ouvert. Donc voilà, donc on est arrivé sur le site de l'intro. Donc on va reprendre. Ça devient un peu. Ça devient un peu parce que je suis en vidéo. Donc vous allez ici là, sur ça. Ça. Je m'en rappelle plus. Je vais retrouver. Hein. Si j'ai ça. Oula. Ah, groupe texte. Oh, nope. Donc name, vous enlevez name et vous mettez votre nom. Voilà. Voilà. Là ça s'est téléchargé Varonex. Donc je vais remonter là, parce que j'ai pas envie que ça bug. Déjà que ça bug beaucoup je trouve. Custom, vous pouvez même choisir ce que vous voulez. Bon, moi je vais laisser en custom pour la vidéo. Voilà, je pense que la taille c'est bon. Après, vous pouvez la bouger comme ça, mais je vous conseille pas de faire comme moi. Aussi, après, c'est comme vous voulez. Hein. Vous voyez, tac, et on remet. Comme ça je vais mettre. Voilà. Donc après, vous pouvez re-regarder votre vidéo. Et après, vous pouvez aller dans télécharger. Donc là, Balancette, je vous conseille de mettre en extreme quality. Et là, vous mettre à celui-là. Après, là, vous faites Start Video Render. Ça vous télécharge votre vidéo. Après, vous récupérez votre vidéo, vous l'envoyez dans un dossier. Après, vous pouvez, dès que vous l'avez dans un dossier, elle fonctionne. Regardez comme là. Un exemple. Comme mon autre intro qui est là. Vous la recevez comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur comment faire une intro. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. A plus!